Et salut à tous les pilotes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. On est à Lafare-les-Oliviers pour la, je crois que c'est la quatrième épreuve de la Ligue de Provence. Donc, la journée part pas très bien. Voilà, regardez l'heure qu'il est. Voilà, donc il est déjà, je sais pas si vous voyez. Bon, il est 8h15. Les vétérans, ils sont pas tous là. Les commissaires, ils viennent à peine d'arriver. C'était censé commencer à 8h. Hein. Donc voilà, il est déjà 8h15. Avant Tabran, c'était déjà fait couiller comme ça. Les essais libres, c'est censé être 10 minutes. On n'avait eu que 8 minutes. Là, ça part sur du 2 tours là, d'essais libres. Donc ça va être super. La piste a l'air un peu sèche. Apparemment, ils ont pas pu complètement arroser parce qu'ils avaient plus d'eau sur la fin. Donc je sais pas. Là, s'ils peuvent pas arroser de la journée, ça va être une sacrée galère. Avec de la poussière, vous avez même pas idée, je pense. Donc bon, on va voir comment la piste réagit, mais ça s'annonce une journée compliquée, sèche et poussiéreuse. La piste risque d'être très roulante, très rapide et c'est pas forcément avantageux pour nous, mais bon, écoutez, il n'y a plus qu'à s'adapter à la piste, tout donner et on se retrouve un peu après les essais libres ou les chronos. Nuages de poussière dès la première séance d'essais libres, ça promet. Bon, les juniors viennent de terminer. Ça va, on se fait pas trop arnaquer sur 10 minutes. Ça fait deux fois, ils font 9h30, donc bon, c'est potable. La piste, ouais, c'est carnage, c'est du sable. Je sais pas si. Bah, je vais vous faire un zoom sur ce virage là-bas, mais. Ouais, c'est le Sahara, il y a déjà de la poussière comme en fin de journée, alors que c'est les essais libres quoi. Ça va chuter, ça va se blesser aujourd'hui. Bon, là je suis rentré des essais libres, pas tardé à partir pour les chronos. C'est une catastrophe, voilà. En gros, la piste, c'est. Voilà, c'est ça. C'est plus ou moins ça, avec du béton, des trous bizarres, parce qu'il y a des alternances de boulettes sèches, des petites plaquettes dures un peu souples, mais enfin bref, la piste est une catastrophe. Là, c'est en train de parler, savoir même d'annuler la journée. Donc, pour vous dire, on est à peine aux essais libres, donc ça promet. Là, franchement, c'est compliqué. Il y en a 2-3 devant qui voient. Après, on voit plus rien. C'est la galère. Donc, l'objectif, là, je pense que ça va quand même rouler aujourd'hui. L'objectif, ça va être de faire un bon chrono. Et pour être pas trop mal sur la grille, et ça va être des bons départs. Et franchement, c'est pas aujourd'hui qu'on va prendre tous les risques. Ça va être enchaîner des tours, essayer d'être régulier, pas faire d'erreur. Et vraiment, j'allais dire essayer de prendre du plaisir, mais ça va pas être possible aujourd'hui. Non, vraiment essayer de dérouler et voilà, d'enchaîner les tours sans faire d'erreur. Parce que là, la chute peut vite faire très très mal. En 125, il y en a déjà eu 3 ou 4 sur le même saut qui se sont pulvérisés. Donc bon, voilà, aujourd'hui ça va être à la cool. Pas trop non plus, mais. Pas trop de risques, et là on part sur les chronos. Bah, du coup, je vous embarque avec moi avec la GoPro. Vous allez un peu voir l'état de cette belle piste. Et écoutez, on se retrouve après. Eh ben, coucou les copains, mais là on est à la quatrième épreuve et c'est encore pire que les deux premières. Super top. Je vais demander à lui, il est drôle et il confirmera. Voilà, on va se régaler. Regardez, regardez la poussière. Ouais, la dernière fois que j'ai roulé sur ça, j'ai perdu une clavicule donc. Thank you.
je suis bien à l'ombre. Ah, il fait bon. Ah, il commence à faire chaud un peu. Séance chrono, je suis dégoûté parce que... Bon, je vais partir du début. On était censé du coup être 40 en open or. Ils ont décidé avec la poussière de faire partir un pilote sur deux, donc c'est-à-dire 20 pilotes. On n'avait plus que 10 minutes de chrono au lieu de 15, donc ça va super vite. Et après, c'était les autres qui faisaient à 20 leurs 10 minutes de chrono. Sauf qu'on est parti, donc on fait le tour à blanc parce qu'on coupe. Là, je pars pour mon tour chrono. Malheureusement, c'est le seul tour que je vais avoir de cette séance chrono. Et comme vous avez pu le voir sur la fin, drapeau jaune agité et drapeau rouge. Donc j'ai dû couper. Et il y a eu une grosse chute, donc drapeau rouge. On a attendu 5-10 minutes, on est reparti. Sauf qu'au moment de repartir, j'ai voulu déclencher. Sauf que j'avais pas coupé avant. Du coup, ça a arrêté. Et j'ai pas mon meilleur chrono de quand on est reparti. Donc. Bon, c'est pas grave, franchement, voilà, je vous aurais mis qu'un tour dans tous les cas. Au moins, vous voyez un peu la piste, la difficulté qu'elle représente, parce que franchement, elle est pas évidente. Elle est très piégeuse. Donc, comme ça, on peut voir un peu la piste. Là, le plus important, ça va être de filmer les manches, mais s'il y en a, clairement, s'il y en a. Mais là, ouais, c'est compliqué. Je crois que j'ai fait un tour en 2-1. La pole au début en open bronze, ça roule en 57, donc bon, on n'est pas trop mal franchement. Le but, c'est vraiment de rester sur ses roues aujourd'hui, parce que la chute peut vite coûter très 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 cher. Donc on reste sur ses roues, il va falloir faire un bon start pour aller chercher la primo shot. Donc un bon start et surtout éviter un maximum la poussière, garder du rythme et rester sur ses roues, ça va être la clé cet après-midi. Donc écoutez, je vous retrouve peut-être un peu entre midi et deux, sinon on se retrouve à la première manche. C'est un bon truc, il se découpe tout, c'est... Ouais, tu seras avec ceux qui partent pas, tu seras, je pense. Bon, on fait le tour de piste. Et ils refont, c'est bien, mais ils arrosent pas. C'est le programme a complètement changé. Cet après-midi, on a qu'une manche, donc tout va jouer sur une manche. Et en plus, avec les primes, le gagnant de la manche opener gagne 1500 €. Alors, je peux vous dire que là, ça va voler dans tous les sens. Ça va être assez rigolo. Ouais, voilà. Donc, il est 13h10. Il nous reste 2 heures avant la manche. Il y a pas une goutte d'eau sur le terrain encore, donc ça va être compliqué, hein, honnêtement. S'ils arrosent pas là, bah, ça va être carnage. Et même s'ils arrosent, bah attention, ils l'ont prévu, on aura qu'une manche cet après-midi. Tout va jouer sur une seule manche. C'est béton. Donc aïe. Donc voilà, faut allez blanc. Courage. Et j'avais oublié de dire, tellement pour vous dire, la piste c'est catastrophique. Ils sont en train de demander à tous les pilotes qui veulent rouler de venir pointer pour refaire les groupes et tout rechanger quoi. Enfin bref, voilà, c'est pour vous montrer un peu l'état de la piste, la motivation des pilotes, parce que là il y a plus à perdre qu'à gagner aujourd'hui. Et ouais, du coup les chronos, juste avant qu'on parte sur la première manche, et ce sera l'unique manche, chrono 9e temps, tout cumulé, donc c'est bien, on est à 2e du 8e, après il y a un petit gap avec le 7-6e. Mais c'est pas énorme non plus, et apparemment mon premier tour chrono, que j'ai trouvé pas trop mal, n'a pas compté. Donc je dis pas que j'aurais gagné 3 secondes, hein, mais bon, il était peut-être potentiellement meilleur, donc je sais pas trop. Bon écoutez, en tout cas, bon départ, du roulage, on verra ce que ça donnera. Et j'en profite pour remercier tous les sponsors qui nous aident. Voilà, Atelier Méca Déco, GVP, Quentin Thomas T-Mix, voilà. Et voilà. Voilà, un grand merci à eux. Et allez, on est parti pour la première manche.
vas-y là. Voilà. Il avait crevé de la roue arrière là et il a pété les plombs. Il a pété les plombs, il est fou. Ok, alors super journée les gars, super terrain, je me suis régalé. Je reviendrai au plus vite. On parle d'un chèque de 350 euros. Moi je reviendrai pas. Voilà, c'est bon, Comment Arnaud, tu t'es remis de ce terrain? Il reviendra, il a juste fait les essais libres, mec. Et encore. Voilà, et moi je vais m'acheminer vers l'un des exercices les plus durs de ma carrière. Je fais le Castellet, je fais l'Orange Vélodrome, mais là je sais que depuis que je sais qu'il va monter sur la deuxième marche, c'est une boule au ventre. C'est le mec le plus dur à interviewer de la planète. Ce type, il te dit ouais, il fait même quand il gagne. Je vais appeler ici avec plaisir Maximin Ville. Oh là là, je me sens pas bien. Là, je suis pas bien. Ah non, t'as fait une école de journalisme, t'as dépensé pendant 3 ans tes ronds dans des cours, et voilà ce qui arrive. Satisfait de ta victoire? Bah, j'ai pas gagné. Fais exprès. Satisfait de ta manche? Bah, un départ moyen. Ça progresse, hein. 3 mots. Waouh. Un roux crevé sur 2 tours. Ouais. Tu sais, il est en train de muer, donc ça fait un truc de canard. Ouais. On a vu le père Milemé. Ouais, c'est ça, où il est ton papa. Ah, mais j'ai jamais vu comme ça. Terrible. Titre de champion. Non, c'est pas en championnat. Pourquoi t'étais d'ailleurs en argent? Parce que j'ai fait des chronos pourris. Parce que j'ai fait des chronos pourris.
dirait Hopkins, tu sais, le mec sur le fauteuil roulant qui te parle. Allez, on applaudit Maxime et Emile, on va lui remettre. J'ai fait des chronos pourris. Ça fait plaisir de te voir là. Tu dois être satisfait aussi. Non, pas trop, j'aurais préféré rouler en or, mais c'est pas grave, on est là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait qu'un seul tour, mais du coup ça a pas suffi et je me suis retrouvé en argent. Bon, mais c'est quand même la victoire, tu montes sur le podium. Ouais, c'est vrai, en plus, je crois qu'il y a 50 euros pour le all shot, donc tout le monde est content. Qu'est-ce que tu vas en faire de ces 50 euros? Je sais pas, on verra encore, mais ils vont peut-être finir dans le McDo, à mon avis. Non, et tu sais, il te dit ça, tu le vois le Big Mac dans ses yeux. Ils vont peut-être finir dans le McDo. Bah. Ah, on rentre dans la première manche, enfin de la seule manche du coup, ben ça fait du bien, parce que là il faisait super chaud, c'est physiquement c'était pas facile, ça tirait grave les bras dans les montées. Donc comme vous avez pu le voir, un super départ, hein, clairement difficile de faire mieux, surtout que le derrière des grilles était un peu comme le parking, voilà. C'était vraiment béton glissant et j'ai réussi à trouver de l'adhérence et j'ai bien giclé, au bout je sors deux. Voilà, deux, après je fais un premier tour un peu compliqué, je me fais passer directement et je me fais bloquer avant le saut en montée, le camel en montée, je me fais un peu bloquer par un pilote. Du coup il y en a deux autres dans la montée qui en profitent, j'ai pas pu sauter donc je perds pas mal de place là. Et après je perds encore une ou deux places, je sais plus, dans le même tour. Donc premier tour compliqué, après je me suis mis en jambes, j'enchaîne les tours, pas évident franchement, c'est pas évident d'arriver à être à l'aise, à plaquer la moto, j'ai un peu sur des œufs, j'avais beaucoup de mal. Et après sur la mi-manche, fin de manche, je revenais un peu sur des pilotes, donc ça m'a un peu tiré, c'était bien. Et sur la fin, ouais, difficile, vraiment mal au bras, c'est les mains qui petit à petit elles partent de la poignée, elles partent. Et après, on est enfin en haut, donc on peut les replacer, donc ouais, pas évident. Je termine 8e de cette première manche, donc franchement, 9e au chrono, la 8e, c'est une place de mieux. On peut faire mieux, il y avait le 7e juste devant, mais après c'est difficile d'aller chercher plus loin devant, même si ça se joue à pas grand chose, voilà, avec un bon premier tour, on sait jamais, mais c'est vraiment pas évident. Là, voilà, on a fini une journée, on est entier, pas un bleu, pas une chute, c'est nickel, pouvoir rentrer tranquillement, tout laver, parce que là, oh, je pense qu'on fait du sable, c'est moins, les motos sont moins salies, parce que là c'est de la poussière, les filtres, vous avez même pas idée. Donc ça y est, fin de journée, un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui commentent mes publications, que ce soit sur YouTube, de partout. Un grand merci à vous tous, un grand merci aux sponsors une fois de plus. Et écoutez, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !